retrouve-moi sur Tipeee. Bah, abonnez-vous à la chaîne, à me laisser des likes ou des commentaires. Et je suis également sur YouTube. Je vous présente mon site web, je l'ai mis en ligne, le lien est dans la description. Donc vous trouverez différents blogs qui complètent ma chaîne, notamment aussi les guides du survivalisme, les concepts de la base autonome durable pour vivre en autonomie, et les différents liens YouTube, Bitsup et Tipeee. Voilà, voilà. Bien bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, ça va être un vlog qui va être assez long, donc on va commencer tout de suite. Alors, ce vlog, on va parler de 4 choses, et pour commencer, je vais juste dire, étant donné que je fais pas mal de vlogs pour tenir les gens informés de ce qui se passe sur la chaîne, je vais peut-être ne plus en faire pendant ce mois-ci. Donc c'est pour ça que ça va être un gros vlog et on va parler de 4 choses différentes. Donc maintenant on commence. Donc tout d'abord, on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur ces 2 derniers mois, 2-3 derniers mois, puisque le mois d'août m'a surpris, hein, je l'avais déjà dit, m'a surpris parce que moi je pensais que ça allait être un mois qui allait être calme et qui au final, c'est un mois qui par rapport au mois de septembre est quand même plus dynamique. Donc moi ça me choque un peu, enfin ça me surprend un peu, puisqu'effectivement au mois de septembre c'était quand même relativement plus calme, que ce soit au niveau des vidéos mais aussi au niveau des vues, des stats, bon bref. Pourquoi je parle des stats? Parce que ici ça peut me permettre pour quel genre de vidéo, c'est-à-dire je vois la vidéo, je vois ci, je vois ça, puis je peux me dire bah voilà, ces vidéos marchent mieux. Les vidéos où je parle de survie, concrètement, c'est pas celle qui marche toujours le mieux. Alors après, ça peut être l'algorithme de YouTube qui fait que la vidéo va être plus ou moins visible. Ça, je peux pas dire, je sais pas, je suis pas dans le truc. Mais voilà, j'ai comparé certaines choses et effectivement, il y a certaines vidéos qui sont pas forcément survie, qui marchent mieux que d'autres. Et après, il y a l'inverse aussi, hein. L'inverse marche aussi. Hein. Donc, mois de septembre, effectivement, après, je pense aussi ça part de responsabilité dans le sens où, effectivement, le mois de septembre n'est pas un mois où il faut survivre. Non, je déconne, mais je veux dire, mois de septembre, il n'y a pas beaucoup de vidéos de survie. Le guide du survivalisme, ça, on en parlera après, mais... il n'y a pas eu beaucoup d'explicatives, de messages, de discours, c'est vrai, pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de vidéos que j'ai fait, une dizaine, et au final, il y en a beaucoup qui me laissent pas. Alors, après, le bilan est en même toujours aussi, aussi bon, hein, on approche des 100 abonnés. On a passé la barre des 7150 vues. Alors, j'ai aussi enlevé une vidéo qui avait fait presque 1000 vues. Je l'ai enlevée parce qu'elle risquait de me faire striker ma chaîne. Donc, je préférais l'enlever, donc il me fait 1000 vues de moins. Après, voilà, ça reviendra. On est quand même sur la vidéo la plus regardée, la plus vue. Sur la réserve de nourriture, on est quand même à 535 vues. Donc, c'est relativement pas mal. Après, on fera la deuxième aussi, puisqu'on va parler de d'autres choses. Voilà. Donc, pourquoi les vues? Pourquoi les scats? Parce que moi, ça me permet de savoir sur quel pied danser.
Ça c'est le truc à savoir. Pourquoi faire des vues? Parce que derrière, il y a un travail, il y a le tournage, il y a le montage, tout ça. Bon. Il y a quand même une espèce de rentabilité. Hein, je veux dire, je le fais avec plaisir, attention, hein, je le fais vraiment avec plaisir. Mais après, il faut bien qu'il y ait un retour sur investissement. Pas forcément financier, hein, un retour sur investissement. Pour moi, c'est quand je reçois un commentaire, super vidéo, merci, on apprend. J'attends ça. Voilà, moi, les commentaires, je vois un commentaire sur le YouTube Creator Studio, où je vois un million machin, laisser un commentaire. Moi, je suis heureux. Moi, ça me relance la motivation pour la chaîne. Je vous avoue qu'en ce moment, ça fait 3-4 jours, je fais des insomnies à cause de la chaîne. Alors, pas à cause de la chaîne, parce que j'ai la chaîne, mais parce que je veux réorganiser certaines choses. On va en parler. Les SCA sont là et il faut les regarder pour pouvoir savoir sur quel pied danser. Ça, je l'ai déjà dit. Ok, maintenant, on va parler du survivaliste. Alors, le guide du survivaliste, voici, bon, vous avez pu le voir, bon, un épisode avec de très beaux paysages. En plus, vous avez pu voir mon frangin. Donc, je sais qu'il va regarder cette vidéo, donc j'ai fait un petit coucou. Et puis, bon, voilà, bon, vous avez pu voir un beau paysage. Vous avez pu voir là où il vit, hein, parce que c'est là où mon frangin il vit. Bon, je ne vous donne pas l'adresse. Hein. Ça dépend si vous donnez des sous. Mais enfin bref. Donc c'est un très beau paysage. Hein. C'est vraiment de très belles montagnes. C'est vraiment un endroit super. Si vous voulez vraiment vous dépayser, bah, c'est là où il faut aller. Ouais, c'est génial. Donc c'est vraiment un coin extraordinaire. Et donc j'ai voulu faire une vidéo pour vous montrer un peu les paysages. Et j'ai trouvé ça. Voilà, il fallait filmer, il fallait faire une vidéo. Ensuite, effectivement, il n'y a pas de survie. Non. Il n'y a pas de, je veux dire, à un moment, vous me voyez en train de manger, de boire, on n'est pas en train de manger des larves et boire une urine, mais évidemment, la survie passe aussi par la préparation. Hein. De monter, alors bien on n'est pas haut, passe aussi par la préparation et qui nous rend demeure, c'est qu'il faut un minimum de préparation. Donc, s'il y aura un message supplémentaire de cet épisode, c'est prévoyez, préparez-vous quoi. Hein. Donc, c'est un peu la cette manière aussi parce que partir en randonnée, c'est aussi un peu la survie parce qu'au final, on peut se casser une cheville, c'est pas mortel en soi, mais par rapport à ça, on peut avoir un tas d'événements qui vient à nous barrer la route, à nous ralentir, et puis même à nous faire crever. Bon, effectivement, dans cet épisode, il n'y a pas de survie, il n'y a pas de truc, mais il y a beaux paysages, et si ça permet à certains d'entre vous de partir un petit peu en vacances en regardant cette vidéo, c'est aussi une manière de le faire. Bien sûr, après, prochain épisode du Guide du Survivalisme, bon, il sera Voyage vers l'inconnu, partie 2. Parce qu'évidemment, ça fait 2 mois, cet épisode est en 3 mois qu'il est en tournage. J'ai du mal avec certaines choses, mais il y a une certaine partie qui est déjà montée. Mais il y a deux, trois choses qui manquent. Il y a un endroit qui me manque, l'endroit je peux pas me chier. Enfin, il manque un endroit où je vais tourner une scène, où je vais tourner un truc. Bon, en plus, c'est explicatif. Donc, c'est pas juste un plan de désir. Hein. C'est pas juste, ah oui, je veux ce plan-là. C'est un truc explicatif, donc je ne peux pas le faire. Sinon, vous n'allez pas comprendre au reste. Hein. Je veux dire, il manque une partie importante. Donc, ça, il faut que je trouve l'endroit. Donc, guide du survivaliste, j'ai en plus l'avantage qu'il y a eu avec ce guide du survivaliste, c'est qu'il a oublié un trou. J'avais prévu 3 guides du survivaliste au lieu de 4. Donc, d'une certaine manière, je vais pouvoir avoir octobre, novembre, décembre. On va refaire bah, la deuxième saison. Hein. On va faire une deuxième saison de guide du survivaliste. Mais je suis en train de repenser la formule, le format de guide du survivaliste, puisque on va arriver à un moment où on aura pas forcément un thème pour une vidéo, parce que j'ai commencé avec un thème, une vidéo.
C'est vrai que quand j'y repense, le premier est vachement quand même. Hein. Le premier, il dure 41 minutes et on voit pas grand-chose au final. Mais il y a aussi pour tout ce qui est, j'y arrive pas, alors je me redonne le courage. Et il y a aussi cette partie à faire et à ne pas faire. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans les prochains temps, on aura des techniques de survie où je n'aurai pas forcément les conditions climatiques pour le faire, je n'aurai pas forcément l'endroit. Il faut dire, j'ai pas de désert à deux portes de chez moi, où je n'ai pas le froid arctique à l'autre côté. Bon, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire. Donc c'est pour ça que je vais mettre en simulation. Je vais faire des séries de vidéos qui feront partie du guide de survivalisme où on se mettra dans une situation un petit peu comme un jeu de rôle, mais ça ne sera pas forcément du vrai. Mais on va tourner ça pour que ça soit logique et d'une manière réaliste. Et puis bon, voilà, il y a certaines techniques de survie que je ne peux pas faire juste en 2 minutes. Ou en une journée, ou en 2 semaines. C'est des trucs qui sont obligés d'être dans la longueur. Donc pour ça, il faut que je me mette dans une situation où il faut que je puisse monter mes trucs au fur et à mesure et continuer mon truc. Donc ça va être un petit peu chaud. Justement, j'essaie de réorganiser tout ça, parce que ça risque d'être chaud. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Moi, je fais les 3 prochains guides de survivalisme, et puis on essaiera peut-être d'en faire un en plus pour janvier, pour les coups, et puis après on fera la deuxième saison, qui sera sûrement sur un autre format. Ça se rappellera toujours Guide de survivalisme, ou un autre format, hein, peut-être. Hein, il y aura peut-être peut-être arrêter ce format-là pour faire un autre format et le présenter d'une autre manière pour pouvoir le faire encore mieux. Ensuite, pour ce qui est de la réorganisation de la chaîne, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de vidéos qui ne me plaisent pas. Enfin, que j'ai fait, que je n'ai pas forcément mis en ligne. Il y a 2 fois que j'ai mis en ligne où c'est pas ça. Ça ne me plaît pas. Il y en a 2 fois que j'ai mis en ligne, j'ai enlevé parce que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est vraiment pas rentable. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas content de ce que je fais dans mes vidéos. Alors ça aussi, c'est peut-être parce que quand j'ai commencé la chaîne, bien sûr, il y avait cette volonté de réussir là-dedans, il y avait une volonté que ça soit regardé. Et puis qu'au mois de janvier, c'est parti, j'ai rien compris, et puis il y a une bonne dynamique sur la chaîne. Mais pour moi, c'est pas encore assez. Parce que c'est mon perfectionniste qui dit ouais mais là je peux faire mieux, là c'est pas bien et là je peux aller encore plus loin. Et effectivement l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est d'être meilleur. Et donc je pense que ces vidéos là qui m'ont pas plu, c'est parce que tout simplement je ne suis pas allé plus loin de ce que je sais faire. Je reste un petit peu sur mes acquis et donc c'est des vidéos qui sont bien bien mais il manque quelque chose pour que ça me plaise. Donc étant donné qu'au début je voulais faire des vidéos simples où je disais où je prenais un sujet, je faisais mon speech dessus et voilà, après j'ai mis un générique, après je suis venu avec un guide de survivalisme. Donc c'est pas trop mal parce qu'effectivement parler, faire du blabla, faire du bling bling, c'est bien, mais à un moment je veux aussi montrer les choses. Et c'est pour ça que peut-être dans un futur proche, les sujets que je vais parler, je mettrai les vidéos en collection avec, c'est pas le bon mot, mais en gros, je vais parler d'un sujet, moi je sais pas moi. Le gouvernement bidule machin truc, anti-système ou sortir du système. Bon, et peut-être faire un pouce de birôme. Le birôme, dans le jargon de la vidéo, c'est montrer les images ou les vidéos pendant qu'il y a la voix off derrière. Donc, peut-être faire un pouce de genre là
C'est juste au niveau de la technique, au niveau du matos, en fait, ça me fait perdre plus de temps à en gagner, mais peut-être ça me fera les meilleures vidéos. Il y a ça, mais après, il y a un contexte aussi. Peut-être j'aimerais me filmer plus dans la forêt et peut-être avoir plus de vidéos, hein, plus naturelles, avec plus une autre manière de vivre. Peut-être faire plus de vidéos dans la semi-bab aussi. Bah, j'y suis pas depuis un mois et demi, voire 2 mois. Bon, effectivement, c'est pas le même délire. Bah, je suis pas chez moi depuis un mois et demi, hein, enfin, depuis un mois. Hein. Mais enfin voilà. Bon. Peut-être c'est aussi ça qui manque, hein, la semi-bab. Peut-être, bah oui, ça me manque, bien sûr. Mais voilà. Donc la réorganisation va être quand même assez violente, je pense, puisqu'on aura peut-être un nouveau départ de chaîne. Mais après, ça sera sûrement très bien, parce que il faut que la chaîne évolue, faut que ça soit bien, faut que ça soit bien fait. Et je veux que ça soit bien fait, bon, ça sera bien fait. Donc on va relancer un petit peu tout ça pour que ça soit quand même assez mieux. Et puis peut-être faire moins de vidéos pour qu'on soit sur la qualité que la quantité, puisqu'effectivement au début moi, j'ai sorti plein de vidéos. On est à 162, je crois, vidéos depuis le début de l'année. Alors, sachant que j'en avais sorti 9 juste l'année dernière, là, je suis à 100. Bon, on est à presque 150, ouais, et les poussières. Donc, en quelques mois, en 10 mois, même pas 10 mois, parce que j'ai commencé fin janvier à vraiment mettre le reboost. Bon, voilà. La réorganisation va peut-être prendre du temps, donc vous n'allez peut-être pas me voir tout de suite. Hein. J'ai peut-être gardé mes motifs, le format, les vidéos, peut-être avec le son. Et dès que j'ai mis les assises de la réorganisation, je ferai, bah vous allez voir tout de suite, hein, je pense, à moins que ça sera plus en palier, peut-être, hein, il y aura peut-être, au fur et à mesure, vous allez voir le changement, ça ne sera peut-être pas un changement direct. Ça, je ne sais pas encore, puisque effectivement, je sais que je vais réorganiser, mais comment, pour l'instant, c'est un peu flou. Hein. Voilà. Ensuite, ouais, parce que là ça fait long, ouais, quand même. Ensuite, j'avais prévu de faire une FAQ Encorium cette année, donc je pense que ça sera pour les vacances scolaires de mois de décembre. Pourquoi scolaire? Parce que bon, vous avez peut-être plus le temps de faire les questions, préparer les questions en FAQ. Et je vous tiendrai au courant puisque j'aurai envie de le faire en live. Donc, je vais voir pour avoir le matos nécessaire, pardon, pour me faire en live, parce que ben, c'est quand même mieux. Et en espérant, il y a du monde, il y a un peu de flux sur le live à ce moment-là. Mais le live, c'est une envie. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Ça, c'est ma question. Justement, quand je vais rentrer à la maison, je ferai quelques tests live. Donc, si jamais vous voyez des tests live, c'est juste des tests. Enfin, vous pouvez regarder, mais bon, vous n'allez rien voir, peut-être même pas entendre. Et à la limite, si jamais vous êtes là, vous allez me dire, bon, voilà, ton test, ça marche, il y a la vidéo, il y a du son, enfin voilà. Parce que c'est pas toujours bien fait leur machin. Donc, voilà. Ça pourrait être du live, bon, ça j'aimerais bien le faire. Peut-être même un jour faire mes FAQ live à la semi-bague. C'est aussi ça, je pense aussi le faire. Ça pourrait être vraiment pas mal. Bah, c'est qu'un vlog qui est très bon. Bon, on va pas s'éterniser dessus. Moi, je vous dis encore merci de votre soutien. J'adore voir les commentaires, vraiment, ça fait toujours plaisir. J'ai vraiment un plaisir à faire ça et j'ai vraiment plaisir à vous donner du plaisir, hein, au final avec cette chaîne. Et puis, souvent les artistes disent, ouais, je ne sais pas grâce à vous, mais c'est vrai, quand on reçoit un message ou un compliment,
on a envie d'aller plus loin dans ce qu'on fait. Et c'est toujours gratifiant et c'est toujours avec un grand soutien. Et ça fait toujours bien plaisir. Sur ce, les amis, moi je vous dis à la prochaine. Préparez-vous bien. Préparez-vous bien. Et puis, dans ma vie, il n'y a jamais de problème, il y a des solutions. Et puis, moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de mettre un like ou un petit commentaire. Et ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.